Je prends la parole devant vous aujourd'hui pour vous lire une lettre ouverte d'amour à Homo sapiens. Pendant 2,5 millions d'années, Homo sapiens, mon amour, tu te tenais tranquille en Afrique orientale. En moins 70 000, tu décides d'aller coloniser le monde entier et achève ton œuvre au sud de l'Amérique en moins 11 000. Pendant toute cette période, curieusement, ton arrivée sur un territoire entraîne systématiquement l'extinction des animaux un peu trop gros ou un peu trop dangereux. Lions marsupiaux, diprotodons, kangourous géants, mammouths, oiseaux éléphants, lémures géants, oui, oui, ces animaux ont vraiment existé. Tu apprends que le GIEC a publié un cinquième rapport très documenté, celui-là, concernant le réchauffement climatique. Ah, voyons ça. Alors, a priori, Homo sapiens, mon amour, il y aurait déjà de plus en plus d'événements climatiques extrêmes. 7 cm en moyenne jusqu'à 2100 et être plus acide. On va manquer d'eau douce en été, même en France. Et là, tu repenses aux canicules de l'été. Un réchauffement de plus 5 degrés à la fin du siècle. Ce qui signifierait pour toi, mon Homo sapiens chéri, l'extinction.